Florence, you are just amazing. Merci. Some people pense que Florence est l'une des plus belles filles du monde. Hello! She is la plus belle fille du monde. Mais avec lui, tout était amazing, tout le temps. Mais même les trucs du quotidien, n'importe quoi. Chérie, on va au resto? Oh my god, wrist me! I love wrist me! Yeah! Yeah. Bon, ben moi, je vais prendre du poulet. Oh my god, chicken, I love chicken. Calme-toi, chérie, c'est que du poulet. Oh my god, je peux parler français. Oui. Moulin Rouge, voulez-vous coucher avec moi ce soir? Ouais. Tu préfères François Mitterrand? Attends! Je suis désolée, I'm sorry. It's over, je te quitte. Oh my god. God bless you, Florence, yes. And God bless America! M'a saoulé. Ils sont fous. Alors, je me suis tournée vers un peuple à l'enthousiasme beaucoup plus modéré, beaucoup plus intérieur. Les Français. Enfin, les Français, non, en fait, je suis sortie pas avec un Français, avec un Parisien, c'est pas pareil. Les Parisiens, ils sont... Ah non, ils ont le cafard, tout le temps, ils sont tristes, tout, ils font la gueule. C'est normal, en même temps. Mais le mien, je peux vous dire qu'il était vraiment très, très parisien. Jean-Luc, on va au resto, ce soir? Mais bien sûr, ça me fait super plaisir d'aller au restaurant en Florence. Je suis fou de joie. Bon, moi je vais prendre du poulet en ce qui me concerne. Mais bien sûr qu'il faut prendre du poulet, c'est génial de prendre du poulet. Les poulets, ils sont géniaux. Mais c'est pourquoi? Parce qu'ils ont des plumes, et nous on a des poils, au menu. Bon, Jean-Luc, je te quitte, hein. Voilà. Mais bien sûr qu'il faut me quitter, Florence. Moi aussi, si je pouvais, je me quitterais. C'est ce qu'il a fait. Il s'est quitté, définitivement. Paix à son âme. Marie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors bon, là, j'ai compris qu'il fallait que je trouve un homme, un vrai, chaleureux. Alors je suis allée en Italie, c'est mes racines. J'ai trouvé un bel Italien, il s'appelait... Oh, il était beau, il s'appelait Luca. Il était magnifique. Problème avec les Italiens, c'est qu'on peut pas les toucher. Et lui, il était vraiment très italien. Non, tu me touches pas. Bah, quand même, un petit bisou. Non! Tu regardes, tu admires, mais tu touches pas! Florence, quand tu vas au musée, oui. Que tu vois Mona Lisa de Leonardo da Vinci, tu regardes, tu te laisses gagner par l'émotion, mais tu touches pas. Là, c'est la même chose. Je dois protéger mon patrimoine artistique. Mais pour toi, Florence, ce soir, je vais faire un cadeau énorme. Je vais te montrer la chambre au trésor. La camara de tesoro, les linguini royales, les cannelloni di Firenze, les fusilli tre colori a quattro formaggi. Florence, je vais retirer mon slip, tu vas avoir un choc. C'est possible. Tu regardes? Tu te laisses gagner par l'émotion? Oui? Tu peux pleurer. Mais tu touches pas! Attends, c'est moi, je peux pas te toucher, alors qui peut? Maman! C'est ce qu'il a fait. Il est retourné chez sa mère. Et moi, alors de retour en France, bah évidemment, j'avais très envie de contact charnel, de corps à corps, alors je me suis inscrite à des cours de salsa. Et évidemment, je suis tombée amoureuse de mon prof. Il était magnifique, il s'appelait Paco. Il était caliente. Salut, Fleuron, ça va? C'est bien pour un prof. Tu es prête? Oui. On y va? A quick, a slow. A quick, a quick, a slow. Le chauffeur, le radis. Le chauffeur, le radis, le chauffeur. Oh! J'essaie de faire comme toi. Tu sais, Florence, ce que ça veut dire salsa en espagnol? Non. Sous. Alors? Je sais pas. A quick, a slow. A quick, a quick, a slow. Le chauffeur, le radis. Le chauffeur, le radis, le chauffeur. Tu sais, Florent, je suis crevé. C'est vrai? J'ai fait la fiesta toute la nuit. Je me suis réveillé ce matin, la tête dans le cul. Mais c'était par les miens. A quick, a slow. A quick, a quick, a slow. J'aurais dû me douter qu'il était pas pour moi. Franchement, il y avait des signes avant-coureurs. J'aurais dû le savoir. Tu sais, Florent, ce que j'ai préféré dans le salsa? Non.
C'est les douches avec les copains. Les douches. Oui, les copains. Attendez-moi dans les douches. Ça me fait penser à un truc, aucun rapport, pardon, ça me fait penser que je suis sortie avec un comédien aussi, pas longtemps. Il s'appelait François-Xavier Demaison. Il était très fort, très fort. Et puis, ben voilà, il se trouve qu'il m'a jamais rappelé. Florence, c'est pas le moment. Bah, y a pas de moment, hein. Pour une fois que j'arrive à te voir, excusez-nous, mais... T'aurais quand même pu me rappeler, quoi, je sais pas. Je t'ai appelé 15 fois avant le spectacle, ça te coûtait quoi de me rappeler? Bah, le prix d'un appel. Excuse-moi, c'est pas de très bon goût. Non, c'est pas de bon goût, non. Mais Florence, je croyais que c'était pour le boulot. Ah non, non. Quand j'appelle à 3h du matin en disant « je t'aime, fais-moi l'amour », c'est rarement pour du boulot, moi. Mais si... Je croyais que c'était une idée de sketch. Si elle en a éploré, désespéré, pathétique, célibataire, bah, il faut un mec. Bah. Oui, bah, c'est pas un sketch chez moi. Non, c'est pas grave, je m'en fous. Non, non, mais je te pardonne. Enfin, je veux dire, je sais pourquoi tu m'as pas rappelé en plus. Je le sais parce que je sais comment vous fonctionnez. Denis m'a expliqué tout à l'heure. Tu m'as pas rappelé parce que t'as cru que si tu me rappelais, j'allais croire que je te plaisais. Et si je croyais que je te plaisais, je te rappellerais pas. C'est ça. Tu vois? Sans rancune. Bon, bah, en tout cas, si un jour t'as envie d'une histoire sans lendemain. Écoute, c'est sympa, mais non. Mais... Non. Non. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Xavier Demaison.